Donc c'est parti avec la première manipulation. Donc c'est un roulement sur les bras. Comme ça. Voilà. Comme ça. Montre. Ouais, c'est bien, t'arrives bien. Maintenant la deuxième manipulation d'argent, c'est passer comme ça derrière le dos avec une main et avec une main. Non, avec le retendu, tu passes juste derrière comme ça. Comme ça. Mm-hmm. Comme ça. Comme ça. Voilà. La troisième manipulation, c'est un petit lancer rattraper une main. Comme ça. Avec le bras tendu. Toi-même, tu plies. Tu lances et tu. Mais tu dois pas garder droit ton bras parce qu'après le ballon il va rebondir. Hein. Oh. Abaisse ton bras. Comme ça. Tu dois accompagner le ballon quand il redescend. Regarde. Hop, et tu le descends en bas. Oh. Mets-le là, tu fais comme ça. Comme ça. Non. Tu dois accompagner en bas vers le bas, comme ça. Voilà. T'as vu, hein? C'est pas très dur. Maintenant, c'est tu mets le ballon sur ta nuque, et puis tu le laisses rouler et tu mets tes bras derrière et tu l'attrapes. C'est un roulement. Lève-toi. Voilà. Montre. Comme ça. Comme ça. Et tu fais rouler. Tu lèves la tête après. Ouais, c'est bien. Donc la prochaine manipulation, tu mets en passé et quand tu lèves ta jambe, tu lâches le ballon. Comme ça. Et tu rattrapes à une main. Mais pas trop fort, c'est pas toi qui va. Regarde là. Toi tu fais comme ça. C'est pas comme ça. Tu lèves et tu lâches et tu rattrapes. Voilà. Maintenant, la prochaine manipulation, c'est lancer et attraper sur les dos des mains. Comme ça. Et tu accompagnes comme là tantôt. Tu viens lancer avec une main là. Puis tu accompagnes comme ça. Comme ça. Non, c'est une main. Comme ça. Tu plies. Puis tu tends et tu plies. Ah ouais. Mmh. Tu vas lancer plus devant pour avoir plus facile. Comme ça. Une main. Tu lances et tu rattrapes comme ça. Ouais, c'est plus ou moins ça. Le prochain, donc tu mets le ballon là. Tu fais comme une lettre et tu te rattrapes. Mais tu peux commencer d'en bas, ok là? Donc tu te mets ici. Bah attends, mets-toi là, moi je te montre bien. Et après tu pourras le faire. Tu mets ici, tu dois garder tes jambes collées à ton ventre. Comme ça. Ok. Comme ça. Oui. Voilà, c'est bien, bravo. Maintenant c'est la même chose que tu mets ici. T'as vu? Faut juste serrer bien tes jambes. Comme ça. Ouais, c'est bien, t'es forte, hein. Et maintenant, c'est le dernier, la dernière manipulation. Souvent en grand écart. Tu mets le ballon là. Tu mets contre ta tête et puis tu tournes. Juste comme ça. Ok? Bon, moi je suis grande, alors je prends beaucoup de place et j'ai pas assez de place. Mais vu que t'es petite, t'auras assez de place. Hein. Là, je vais mettre un peu par là. On va le faire. Comme ça. Après comme ça. Oui. Contre ton front, tu tiens ton pied et puis tu tournes. D'accord. Ouais. Comme ça. Mais tu dois plus serrer ta jambe. Et fais-le plus vite, au moins tu auras plus facile et tu ne devras pas serrer plus longtemps. Comme ça. Comme ça. Voilà, passe. Voilà, bravo. Donc maintenant, on a fini avec le ballon et on passe à la corde. Prends ta corde. On va faire de plus en plus dur, ok? Mais d'abord, c'est facile. Donc tu prends la corde. Déboule. Tu croises tes bras. Tu passes en dessous et tu fais le nœud. Tu sais faire? C'est... Vu que tu sais faire le nœud, tu peux le garder. Et tu tournes ta corde, comme ça. Regarde, en fait, ta main elle bouge pas trop. Au début, ça bouge, puis après, c'est juste le poignet. Tu dois tourner vers là-bas, ok? Montre si tu sais pas faire le nœud. Voilà. Maintenant, tu tournes par là-bas.
Attends, vas-y, fais. Ouais, c'est bien, bravo. Ouais, c'est bien. Maintenant, tu prends, si ça dure, tu peux faire avec les deux bras, tu vas en arrière, en arrière. Et si t'as une main, mais tu peux faire comme ça, ok? Je vais m'aider. Faut pas que tu me frappes. C'est pas trop top. Bravo. Maintenant en avant, ça c'est normalement plus facile. Fais attention, ça te frappe comme ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Mais tu fais pas mal, hein? Maintenant, tu vas mettre ta corde là. Tu vas un peu lancer, tu attrapes sur ton pied. Sur la jambe. Et regarde, tu dois prendre la corde comme ça. Pas les boules. Tu lances et t'attrapes là. Tu dois lancer vers le haut. Hein. Comme ça. Et tu rattrapes. Voilà. Regarde. Ouais, plus ou moins, mais ça va, ça compte. Super fort. Voilà, c'est bien. Puis maintenant tu fais comme ça. Ça. Tu fais ça. Comme ça. Ah, ça je sais faire. Tu sais faire bien. Montre. Voilà, maintenant tu refais lancer comme ça, mais t'attrapes sur le cou. Okay. Mais tu dois bien lancer ta corde droite. Hein. Tu la lances bien, hop, et t'attrapes sur le cou. Tu dois pas la mettre, regarde là. Tu dois pas la lancer vers là-bas. Tu dois la lancer vers le cou. Et après tu passes ton cou. Ouais, c'est bien, bravo. Donc maintenant on va faire un petit échappé, donc c'est assez facile. Donc tu fais ça, tu lèves la corde, tu tires vers le haut et tu attrapes. Tu n'es pas obligé d'attraper le bout, mais tant que tu attrapes, c'est comme ça. Oui. Mets ta main plus vers le haut. Comme ça. Mais mets-toi plus en arrière. Mais tu dois mettre ta main bien droite contre le corps pour que ta corde aille bien devant toi. Oui, bravo, c'est bien. Oui, prends encore une fois. Tu dois vraiment tendre ton corps et tu lèves bien haut pour que ça vienne bien devant toi. Voilà, bravo. Maintenant, fais. Comme ça. Même jusqu'au ballon avec la corde. Normalement c'est un peu plus dur vu que la corde elle est plus petite, mais normalement tu vas comme ça. Comme ça. Donc maintenant on va faire une roue avec la corde entourée à ta jambe. Donc tu fais comme ça, tu prends les boules. Tu dois faire avec tes boules et tu vas enrouler comme ça. Regarde, fais attention que je te frappe pas. Et après tu fais la roue et tu rattrapes. Mais mets-toi ici, comme, ou là où j'étais. Tu prends la corde. Tu enroules à ta jambe. La jambe qui est par terre. Hein. Non, pourquoi tu enroules à la mauvaise jambe? Parce que je sais, j'ai pas que tu frappes. Tu dois rester et enrouler ici. Attends, je vais enrouler comme ça. Ouais, c'est ton. C'est ça. Non, fais la roue. Et maintenant lève et t'attrape. Ah. Voilà. Maintenant, tu vas faire. Attends, je vais mettre un chromadien. Maintenant, tu vas faire grand écart tourné. Sauf que tu vas pas mettre la corde là et tenir là. Tu vas mettre la corde derrière. Tu vas la laisser là. Tu vas tourner. Et après, tu vas reprendre la corde là. Ok? Allez, vas-y, fais-la. Comme ça. Ah, là, ça, c'est trop. Tu mets la corde derrière. Derrière. Après, on peut être. Et tu dois bien avoir les deux jambes par terre. Parce que là, ta corde, elle n'était pas bien mise. Comme ça.
tu roules sur ta corde. Et en fait, comme ça. Et tu prends ta corde. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et si ce n'est toujours pas